Cette vidéo aujourd'hui, nous faisons une idée pour nous actualiser sur une nouvelle date que Copa a gagné pour les capables de recommencer Volio si toutefois pas gagné et un autre changement encore. Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Saint-Louis Les qui entre la carrière en l'autre vidéo. Moi dis merci à vous-même qui abonnez déjà et merci à vous-même qui pral faire ça. Nous allons accompagner, nous allons informer des nouvelles dates qui gagnent pour Copa ta reprendre Volio si toutefois pas gagné et un autre changement. Donc comme nous connaissons que nous fait une vidéo déjà pour nous aviser nous sur date qui te gagné sous question 26 juin. Donc du fait que date a changé, donc moi-même c'est devoir pour moi passer pour me capable informer nous des nouvelles décisions que Copa lui-même les prend juste en façon pour me capable actualiser sous nouvelle date. Donc en passant pour monde qui gagné pour voyager pour yo entrer Brésil yo, par rapport avec un nouveau décret que le gouvernement brésilien prend et dans date qui était 30 juin 2021, donc il suspend tout étranger cap entrer dans pays jusqu'à 30 juillet. C'est qu'il prend une résolution ça pour additionner 30 jours de suspension. Donc si toutefois il pas renouvelé décret ça, donc un étranger a une possibilité pour rentrer dans pays Brésil à partir de 31 juillet conformément avec décret qui prend le 30 juin. Donc si toutefois il vient prolonger, donc ça va déterminer une autre date. Mais par rapport avec nouveau décret qui prend avec ça qui a été publié, donc il prend pour seulement 30 jours et la bout le 30 juillet. Et comme information additionnelle, toujours sous question de suspension de Volio, donc pour moun kap gen pou voyage, mpense soit gen pou entrer Brésil ou bien pour entrer dans Amérique du Sud là, li fort et probable pour passer par Panama et n'abdou que jusqu'à maintenant Panama li même li suspend tout moun kap gen pour entrer ou bien passer dans pays Panama. Et encore comme information additionnelle, donc Panama li même li suspend de tout haïtien kap gen pour passer pour faire escale dans pays ya sans avoir que ou pas gagné yon visa transit. Donc n'ap gen pour nous développer le plus pour tout document que ou gen besoin yo dans yon l'autre vidéo, mais nous tout avise que okay, pour passer Panama kounye la pour faire pour transiter Panama, donc faut qu'on gagne yon visa transit cap valable seulement pour 24 heures de temps. Mais très rapidement on va rentrer dans sujet vidéo ou bien sujet journée. Et bien suite ensemble avec toute décision ou bien toute restriction qui prend au niveau autorité Panama yo, pour question de vol soit cap transiter ou bien yon vol cap débiter dans Panama pour aller dans l'autre pays yo, mais suite à ensemble avec toute restriction que yo prend ou bien toute mesure de suspension que yo prend yo, donc cap bout dans fin mois juillet ça, et bien Copa li même li décidé ou bien li planifié yon nouvelle date pour yo recommencer vol yo qui c'est 7 mois ou kap gen pour venir là. Eh bien n'a dit tout Copa li même li très envie voyager et mon quoi c'est toute compagnie aérienne yo qui envie voyager ou bien qui envie reprendre toute activité yo, parce que yo c'est une compagnie rete chita yo, donc y a payé employé, y a fait tout bagay que vous connaissez yo qui peut-être cap sorti dans fond que yo même yo te gagné déjà, donc yo même yo très envie pour yo recommencer activité yo. Mais par contre c'est vrai yo c'est compagnie, mais faut que yo suive consigne autorité, faut que yo marche selon la loi pays côté que y a bien pour soit à entrer ou bien soit côté y a bien pour yo sortir. Et bien suite ensemble avec nouveau décision yo, et bien Copa li même li annoncé le 7 mois août la bien pour recommencer ensemble avec activité. Donc nous souhaitons que ou même ou mettez à jour, et puis aussitôt que si gagnons l'autre changement pour capable connaître, et si toutefois que Volio yo même y a recommencé le 7 août là vraiment, ou même pour déjà abriter soit dans
prochain vol qu'a gagné, si vous avez un vol que vous avez gagné ou t'es marqué déjà, ou bien si vous pouvez acheter billet d'avion, donc ou même pour capable faire ça. Donc n'a tout surtout, donc qu'on va libérer lui-même pour monde capable acheter billet ou bien vendre billet, mais par conséquent, donc vol yo pas commencer. Donc ça qui bon quand même. Donc yon moun ki achete yon billet jusqu'à 31 mois juillet ça, donc y a bien possibilité pour yo ta remarquer sans pénalité si toutefois dans date ou prévoir voyager, si toutefois ou ta prolonger date de suspension yo encore une fois. Donc c'était Saint-Louis, merci parce que vous avez été jusqu'à la fin vidéo pour te suivre ces informations. N'a mando ou capable abonner ensemble avec channel là, aider nous partager contenu, quitter un commentaire et puis quitter un like juste pour capable aider nous grandir ensemble avec audience. Merci, bye bye, à la prochaine. C'était Saint-Louis.